As-tu fait des scènes ouvertes à New York Oui, j'ai fait des scènes ouvertes à New York, mais plus exactement, j'ai fait des open mic. Qu'est-ce que des open mic C'est des scènes où euh, tu joues devant d'autres comédiens. D'accord C'est accessible à tout le monde. Tu n'es pas recruté de façon artistique. Ouais, Je n'ai pas, pas joué devant du vrai public. Je jouais devant d'autres comédiens. Euh, mais c'était déjà un super défi. Moi, j'ai bien aimé. Pourquoi as-tu fait ça Donc déjà, j'ai pas fait ça de façon consciencieuse. J'ai décidé de le faire par opportunité. J'avais quelqu'un qui m'a écrit... Euh, de New York pour faire des scènes ouvertes en, en français et je l'ai aidé. Et le, le hasard a fait que je partais en vacances quelques semaines plus tard, donc euh, je ai, ai été, euh, il m'a aidé à son tour à, à jouer à New York. C'était comme un échange linguistique. C'était une opportunité, je l'ai saisi et franchement j'en étais très heureux. Combien ça t'a coûté Alors, gens me dire combien ça m'a coûté. En fait, ça m'a rien coûté réellement. C'est pas que ça m'a rien coûté, c'est un, je partais en vacances, donc j'ai pris un vol un peu plus tôt et je suis parti un peu plus tard. Et une partie du voyage, euh, j'ai habité chez un ami qui, qui était. Euh, à New York, il travaille à Bank of America. Voilà, c'est une banque américaine. Je passais mes vacances normales et le soir je jouais. J'étais accompagné par mon ami américain. J'ai un ami américain, c'est cool. Et par mon ami américain qui m'aidait à jouer là-bas. Bon, ça m'a coûté un peu de sous, mais c'est un petit peu l'équivalent de gens qui sont passionnés en boxe thaï. Qu'est-ce que c'est la boxe thaï Eh bien, qui partent en Thaïlande faire un stage. Voilà, ça ça coûte un petit peu de sous mais ça fait partie des vacances donc euh... et à l'époque j'étais salarié donc ça c'était pas compliqué compliqué. Est-ce que ça t'a servi Est-ce que ça m'a servi pour, pour les gens, je pense que jouer beaucoup ça aide beaucoup mais là vous jouez beaucoup en anglais, je suis pas sûr que ça aide vraiment. Je sais pas je sais pas si ça aide vraiment les gens euh, réellement. Euh, ce qui m'a aidé, c'est dans l'humilité, c'est que j'ai vu euh, que c'était vraiment très dur pour eux. Et donc quand tu rentres en France, vraiment, t'as un super confort, tu joues devant du vrai public, euh, t'as du monde, t'as de la gratification. Donc euh, ça m'a rendu un peu plus humble et un peu plus euh, heureux d'apprécier ce que j'ai au quotidien en France. Quel beau pays, la France. Est-ce que tu conseillerais de le faire Oui, je conseillerais de le faire si vous avez les moyens, si vous avez l'opportunité d'y aller en vacances. Je vous conseillerais de le faire parce que ça vous apprend, ça, ça vous... c'est comme la patrie euh, euh, du stand-up. C'est un petit peu comme si vous aimez... Les... Euh, la boxe thaï, et vous allez en Thaïlande dans un camp d'entraînement, ben voilà, c'est l'équivalent voilà, de, de, du camp d'entraînement de boxe thaï. Est-ce qu'on peut s'entraîner en anglais à Paris Oui, bien sûr. Euh, Paris, c'est... Il une... y a beaucoup d'expatriés, et ça joue pas mal en anglais, et même les plus grandes stars américaines viennent euh, sur les plateaux anglais en France, donc euh, oui, ça joue en anglais, vous pouvez vous entraîner, et aussi étrange que ça soit, c'est un peu plus simple de jouer en anglais, parce que les gens sont beaucoup plus euh, bienveillants. Quand vous leur écrivez quand vous écrivez aux gens qui gèrent des plateaux, et ben, ils font un truc incroyable, ils vous répondent. Et ça, c'est magique. Ça, c'est l'Angleterre. Ça, c'est le, les, les Américains. Donc, il euh, faut en profiter. Hein, parce qu'à Paris, Paris, les gens ne répondent pas toujours. C'est compliqué. Comment tu as fait pour trouver des scènes en, en des open mic là-bas Comment j'ai fait ben, C'est très simple. Déjà, c'est un ami qui m'a guidé. Après, il m'a indiqué une liste. Ça s'appelle Batslava. Je, je mettrai le lien. Je ne sais pas comment ça se prononce. Et donc, il y a tous les, les open mic. Et encore une fois, c'est payant. Donc, il euh, y a toujours, euh, toujours moyen de, de trouver des scènes. C'est pas payant, mais. Il faut prendre une consommation, c'est 5 dollars à peu près. Pour certaines scènes, des fois c'est gratuit, des, des fois c'est un peu payant. C'est pas dur à trouver, le plus dur à trouver, c'est de pouvoir enchaîner toutes les scènes. De, voilà, quand vous voulez en faire 3-4 dans la même soirée, il faut que ça soit plus ou moins dans la même distance. Euh, donc il faut un minimum d'organisation et connaître quelqu'un qui, qui est un peu du, de la région, la région new-yorkaise. Est-ce euh, que tu parles bien anglais Alors j'aime dire, est-ce que je parle bien anglais Absolument pas, vraiment très mal. J'ai eu 6 de moyenne au bac que j'ai eu au rattrapage. Mmh. Oh putain, yes Yes Putain, ça fait trois ans que je le rate, putain Champagne yes, putain, yes Et pour vous dire, vraiment pour raconter une anecdote jusqu'au bout, euh, j'ai eu mon bac et genre, euh, je crois, six mois après, j'allais vivre en Angleterre alors que j'ai eu 6 au bac. Donc euh, je ne fais pas les choses parce que j'ai du talent ou que je n'ai pas du talent, je fais les choses parce que j'en ai envie, voilà. Euh, si je faisais que les choses que, euh, sur lesquelles j'avais du talent, ben, je ne ferais que des rouleaux de printemps. Non, je plaisante je ne ferais, ferais pas grand-chose, quoi. Vraiment, euh, si vous faites que les choses parce que vous avez le talent, parce que vous avez un don pour ça, bah ça votre champ d'expérimentation de, va être super limité. J'en avais envie et surtout, j'avais l'opportunité de le faire, donc je l'ai fait. Et je l'apprenais mot à mot et voilà. Des fois, je disais des choses et les gens rigolaient. Je savais même pas ce que j'avais dit. Mais c'était une super expérience. J'espère que vous allez la faire aussi. D'accord Merci. À très bientôt. Mettez un petit pouce sur la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et à bientôt. Bye.